Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle exploration. On a légèrement galéré pour entrer à l'intérieur de ce spot, tout simplement parce que c'est une vraie forêt-jungle de ronces en tout genre, de barbelés qui traînent de l'époque. Mais on a une belle petite trouvaille dès le départ. En même temps, j'ai envie de dire plusieurs petites trouvailles de carcasses de voitures. Impression de se retrouver avec la petite voiture de la poste dans un premier temps. Et ça fait plaisir parce que même si elles ne sont pas complets, eh bien ça a son charme tout de même. J'essaie quand même aussi de rester discret comme à mon habitude, mais parce que c'est une route entre guillemets passante. Donc voilà, déjà dès le départ on commence avec un joli petit décor. Alors apparemment il y a des carcasses de véhicules et il y a un bâtiment avec une usine. Alors est-ce qu'on va déjà réussir à y accéder? Est-ce que l'on va réussir à rentrer à l'intérieur de cette usine? I don't know. Oui, je suis bilingue maintenant sur cette chaîne YouTube. Alors, dans tous les cas, je vais quand même devoir faire attention. Je suis en short. Il fait 35 degrés. Et c'est vrai que... Ah voilà, on doit d'être prudent. Autant en hiver on est équipé, autant l'été il faut quand même avoir un minimum. Bon là je vous le cache pas, hein, je suis avec le caméscope. J'ai pris aucune lampe. Mais parfois c'est peut-être ce genre d'exploration qui sont les meilleures. Ne pas trop se préparer. Alors là j'avance, je ne sais pas où je vais. Ah, en tout cas bah, y a des fruits, des arbres à fruits ça. Bref. Dommage que ce ne sont pas des mirabelles. Bonne mirabelle. J'espère juste qu'on va pas se taper un fossé. Oh, je sais même pas si c'est accessible. Alors je remercie quand même l'ami Tino. Parce que l'ami Tino, je lui ai dit, oh au fait, t'aurais pas un petit spot comme ça, un peu de secours, mais qui est sympa. Et c'est vrai que moi les carcasses de voitures, c'est un truc que j'adore tout particulièrement. Il m'a dit si t'inquiète. Je te passe tout ça. Mais il m'avait pas précisé toute cette végétation. À tout moment, là, il y a clairement un serpent qui peut sortir de la végétation. Non, mais regardez, les amis. Ah, il y a... Je sais pas trop où je mets les pieds. Mais en tout cas, j'ai pas intérêt à perdre mes clés de voiture dedans. Regardez le bâtiment là qui... Oh putain! Alors désolé pour les gros mots. Hein. Mais on essaye d'avancer doucement mais sûrement. Ah putain. Oh mais c'est horrible là par contre, hein. Les ronces là. Ah c'est même plus des ronces. C'est... Ah il y en a 2-3 qui me sont déjà rentrés là. Où je pense? Et t'as, par contre, il y a pas mal d'arbres à fruits ici. Oh les amis, un pouce bleu directement pour cette aventure. Oh ah bah attention, maintenant, une fois qu'on y est, on y est. Hein. On avance. Les prochains explorateurs me remercieront d'avoir créé un chemin. Je ne sens plus mes jambes et mes chevilles tellement qu'il y a deux trucs qui se sont rentrés à l'intérieur, insérés. Ah. Je suis loin d'une chuchote, mais entre le mélange de ronces, d'orties en tout genre et je ne sais quoi. Allez, on va essayer d'avancer. Et
il n'y a pas plus urbex que ça, honnêtement. Ah putain. Alors on va faire quand même attention parce que... Wow. Alors regardez les amis, je me suis défoncé. Et là, regardez, j'aime pas montrer d'habitude, mais il y a des habitations. Et donc on va avancer quand même rapidement pour éviter d'être à la vue des personnes. Et là, je vais m'enlever quelques trucs qui se sont rentrés. Oh putain, ouais, carrément. Ouais. Bon, la citerne de je ne sais quoi qui a été mise dedans. Là, il y a du bruit à l'intérieur. Bon, je doute quand même que ça soit gardienné. Hein. On va pas se le cacher. Oh. Et ben... Bon, pour le moment, on aura vu trois belles petites voitures. Dites-moi ce que vous en pensez là directement dans les commentaires, tout en lâchant le petit like qui fera plaisir. Ah ouais, non mais là, très honnêtement, j'en ai vu un des lieux chargés en végétation. Alors je fais souvent mon malin en disant ouais, la végétation a très bien repris les dessus. Mais là, le spot, il est clairement envahi là. Et puis c'est vrai que pour pas nous aider, il y a beaucoup de vis-à-vis. Ah. Ah putain. Alors moi je suis en train de penser au retour là. Parce que le retour les amis, vous allez pas le voir. Bon. Je pourrais prendre un peu plus mon temps sur le retour, mais. Allez, une petite. Remorque entre guillemets. Alors j'espère que les plans sont corrects. Vous m'en excuserez ainsi. Ah, et puis bien sûr que le bâtiment il n'est pas accessible, ça serait un peu trop beau. Ouais, en même temps Marc, t'imaginais quoi. Laisse tomber. Ah ben celle-là les amis, je vous la poste quoi qu'il en soit. Là je vous la poste. En plus ce qu'il faut savoir c'est que je ne suis même pas sûr de pouvoir vous la poster vendredi pour la simple et bonne raison que je n'ai plus accès à mon compte YouTube pour le moment. J'ai eu un souci d'identification du compte, donc ils me l'ont bloqué et je dois attendre 2-3 jours pour qu'ils puissent me débloquer. Je suis en train de vous filmer rapidement, entre guillemets. Il y a quelques trucs sympas quand même militaires. Enfin militaires en tout cas, avec le camouflage militaire. Et regardez, à ma gauche, il y a des... Ah, c'est passant. Donc, il manque plus qu'on tombe sur des personnes de la mairie. Ah, je sais que je suis souvent dans le flip total par rapport à tout ça, mais c'est la réalité des choses. Et puis, ouais, bon, effectivement, ici, il n'y a pas d'accès. Regardez.
Ah, il y a une barre hein, au milieu. Je vais essayer de tirer et de... Il n'y a rien de spécial, les amis. Bon, voilà. On va retourner sur ce côté pour faire la fin de ce petit périple. Et comme j'ai l'habitude de filmer en one shot, eh bien, j'aurai l'intégralité de cette vidéo. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme un semi-échec ? Lui et non, parce que je savais qu'il y avait des carcasses de voitures. Après, est-ce qu'il y en avait un peu plus loin, honnêtement, en termes de visibilité, d'accessibilité, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cette mini-exploration vous aura plu. Des fois, on arrive à faire des trucs de dingue, comme les dernières choses que j'ai pu vous présenter. Bon, y a des maisons quand même bien sympathique, il y a l'originalité dans, par exemple dans le dernier avec le café, etc. Et là on était plus sur des carcasses de voitures, vous aurez vu au moins le principal dès le départ, et vous m'aurez vu galérer un peu. Je vais retourner directement donc vers la voiture, on va sûrement aller faire un autre spot pour les semaines qui suivent. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura quand même plu. Désolé si ça n'a pas été méga long, si ça n'a pas été méga intéressant. Mais comme vous pouvez le voir quand même et constater, des fois, on essaye d'accéder à un endroit et au final, c'est pas trop ça. Bref, n'hésitez pas à lâcher quand même le petit like de soutien. Et puis, on se retrouve très vite. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Il y en a quand même 95, si je dis pas de bêtises, avec celle-ci. Donc, il y a quoi faire. Bref, on se retrouve vendredi prochain à 20h et le dimanche pour, bien entendu, la détection. Bye bye les gens.